Bonjour à toutes et à tous, alors quoi de beau ce week-end dans les Yvelines? J'espère que je vous ai pas trop manqué depuis ces deux dernières semaines. Sachez que pour me rattraper, ce week-end il va être bien chargé. Tout d'abord, on va au festival La Tour Mélewatt, je sais pas si vous connaissez, moi je connais, c'est super. On va aller à la rencontre des techniciens qui sont là-bas sur place en train d'installer le festival. On va voir si les enceintes marchent. En tout cas, niveau journée internationale, on est gâté. Samedi c'est la fête du vélo, donc fête du vélo. Et dimanche, c'est la fête des mers, mais c'est aussi la fête du nudisme. Genre. Donc voilà, la blague est faite. Bonne fête maman et bonne fête à toutes vos mères. Et maintenant, allons voir si les enceintes elles marchent. Bah, en fait, je pose des questions vraiment essentielles. Ah. Là, dimanche, c'est la journée internationale du nudisme. Ah, ça, moi, ça, je ne connaissais pas cette journée. Ouais. En même temps, il faut des journées pour tout. Hein. C'est la fête des mères aussi, oui, dimanche. Ouais. Ah, ça, je ne savais pas non plus. J'aime ma mère, mais je suis anti-fête commerciale, donc je la choye tous les jours de l'année. Donc le nudisme, c'est une fête commerciale? Je ne sais pas si c'est une fête commerciale, mais peut-être. Hein, je ne sais pas s'il y a des profits à faire. Pas dans le vêtement, je pense. Non, je pense pas. Hein. Vous faites quoi, vous, là, sur l'événement? Nous sommes en logistique. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez qui est monté à droite à gauche, c'est nous qui l'avons monté. Donc là, les tentes, là? Exactement, les tentes. Les tentes, les tables. La scène? La scène. Une partie de la scène, oui. Ça a été? Très bien. Hein, ouais, ça fait chaud. Ça mais ouais, c'était bien. Faire un truc, là? En vrai, je partais en pause bière, mais vas-y. Hein. On peut t'accompagner quand même. Carrément, ouais. Donc là, tu nous emmènes au bar, là. Ouais, tout à fait, au bar public, donc qui est là. Et moi, je m'occupe après, à partir de demain, avec le monsieur là-bas en Bermuda. On s'occupe de toute la partie VIP ici, qui va recueillir bénévoles, artistes, élus, invités. Ok. Donc voilà, donc là on a reçu tous les fûts, toutes les tireuses. Waouh. Il y a encore un camion qui arrive avec des fûts. Chaque fût fait 30 litres. Là, ok. On a un peu de bière. Salut les gars. Responsable bar public. Ok. Stylé. Un vrai contact, ouais. Faut le garder. Là, vous êtes tous bénévoles? Oui. Ok. On est tous des esclaves. Ouais, c'est ça. Tu veux suivre des gens? Ouais. C'est le régisseur général, il se balade partout. Stylé. Salut. Salut, chef. J'ai une question à te poser. En tant que régisseur général, est-ce que tu étais au courant que le naturisme, ça se fêtait ce dimanche-là? Non, j'étais pas au courant, mais après, si les gens se foutent à poil, on va être obligé de les sortir, quoi. Ok. Donc là, s'il y a des gens qui viennent à poil, ouais, c'est pas... Ouais, c'est un peu chaud, je crois. Hein. Ouais. Ouais. Hein. Dommage. Bah, garde ta chemise. Je vais garder ma chemise. Tu peux peut-être me filer une mission même. Hein. Si tu veux, je peux peut-être faire un truc de débile. Hein. Tu peux faire un truc de débile? Je suis capable de faire ça. Baptiste? Ouais. T'as pas un truc débile à faire? La canisse, bah parfait. Tu veux faire de la canisse? Allez, faisons de la canisse. Eh bah, faisons de la canisse. Allez, la canisse. Est-ce que c'est un fien? Comment? Est-ce que c'est un fien, la canisse? Oh, l'enfer. Ah ouais, tu vois, on en a beaucoup à mettre. Et en fait, il va falloir en mettre déjà ici pour que la déco puisse avancer. Ah, c'était pas prévu, ça, hein? Je peux te poser des questions? Ah, si tu veux. Tu fais quoi ici là? Alors, le soir du festival, je me déguise en dinosaure. On peut voir ton costume ou c'est... Je l'ai même pas encore vu moi-même. Et tu vas faire des bruits de T-Rex du coup? Ouais. Pas mal. Ouais, faut que je m'entraîne encore un peu, mais... C'est effrayant. Énorme. On va essayer de trouver quelqu'un pour un test. Manu, t'as envie de faire cobaye? Bon alors, trouvez un cobaye maintenant. Qui l'eût cru? Les dinosaures sont revenus. Ah! Yeah! Putain, mais c'est un gros objet, hein! Bah ouais. C'est un vrai, hein! Fais un bruit, fais un bruit! Pas mal!